Bonjour, cette semaine on va parler de deux sujets. On va parler de routeur D-Link, routeur Wi-Fi, qui fait pas que Wi-Fi d'ailleurs, mais bon, c'est principalement Wi-Fi. Et puis on va parler aussi de Recalbox. On va parler de routeur D-Link. Alors il faut savoir que ici, depuis presque un mois, en fait, enfin j'ai la fibre, yes! Et c'est super parce que du coup, ça fait 6 mois que j'attendais de pouvoir l'avoir. Après divers déboires avec mon fournisseur Free, ils sont finalement pour la deuxième fois venus avec cette fois des câbles. Pour brancher, c'est mieux. Hein. Et puis, ils ont branché la fibre. Et depuis, en fait, que j'ai la fibre, en fait, le Wi-Fi ne fonctionne plus. Ou par intermittence. En fait, je sais pas si c'est lié ou pas. En tout cas, c'était le soir même. Dès que je démarre la box, en fait, il y a deux cartes Wi-Fi, en fait, dans les nouvelles box. Hein, une 2, je sais plus combien j'ai là, puis une 5G. Donc, en fait, elle s'arrête. Et puis après, il n'y a plus de Wi-Fi. Ou alors, elle reste en route, puis après, elles vont s'arrêter et il n'y a plus de Wi-Fi. Donc, dans tous les cas, il n'y a plus de Wi-Fi. C'est super emmerdant en fait, parce que en fait dans la maison on n'a pas l'Ethernet partout, puis on n'est pas tout le temps branché, puis sur les téléphones il n'y a pas. Donc en fait on a vraiment besoin du Wi-Fi, surtout avec la fibre, c'était beaucoup plus rapide. Donc c'était très gênant. Alors le seul problème, vous savez, c'est que la box en fait elle fait modem en fait, hein, pour faire arriver le réseau dans votre appartement, et elle fait routeur en fait pour distribuer ensuite le réseau. Elle ne fait pas que modem. Vous pouvez la mettre en mode que modem, mais dans ce cas-là, vous perdez toutes les fonctionnalités comme le AirPlay, comme un certain nombre de choses que fournit la box, puisqu'elle ne fait plus que modem. Et donc, dans ce cas-là, il faut mettre un routeur derrière qui va faire tout le reste. Hein. Le seul problème, c'est que ce routeur, il fera pas des services de free en fait que vous n'aurez plus. Donc, à partir de là, c'était compliqué. C'est-à-dire, je voudrais mettre un routeur Wi-Fi, mais je veux pas perdre les fonctions de la fibre, puisqu'elle est déjà routeur. Donc, en fait, il faut mettre deux routeurs. C'est assez compliqué en fait à faire. Donc j'ai trouvé, et je le mettrai en référence, j'ai trouvé un article en fait sur le web de quelqu'un qui a mis avec une Wi-Fi en mode routeur et pas en mode bridge, donc bien en mode routeur, donc mode normal que vous avez pratiquement tous chez vous en fait, un routeur supplémentaire pour faire justement le Wi-Fi et ne pas utiliser le Wi-Fi de la box. Donc j'ai acheté un routeur D-Link pour des raisons en fait de prix. Et de marque, c'est-à-dire aux alentours d'une cinquantaine d'euros, en fait, sur le marché, vous avez beaucoup de routeurs de marque inconnues, chinoises, on va dire certainement, qui ont des caractéristiques sur le papier, ont l'air bien, mais bon, j'avais pas envie de prendre de risque, donc j'ai pris le moins cher des routeurs D-Link, qui est quand même, même si c'est aussi fait en Chine, en fait, qui est quand même une marque qui apporte une certaine garantie sur l'électronique qu'ils ont pu mettre dedans, par la garantie du fait que c'est un D-Link et du logiciel de paramétrage qui est donc en français aussi. Bon, même si en anglais ça m'aurait été bien, mais je prends pas le risque que ça soit olé olé quoi au niveau du paramétrage. Donc j'ai fait ça dans la soirée la semaine dernière. J'ai paramétré mon routeur. J'avais peur franchement que ça soit un peu compliqué parce que j'avais les instructions, mais c'était pas pour ce modèle-là en fait. C'était pour d'ailleurs on sait pas sur quel modèle c'était parce que c'était pas indiqué. Donc j'ai réussi à paramétrer. Au bout de deux essais en fait, ça marche très bien. Donc aujourd'hui j'ai un Wi-Fi mais alors vachement stable, beaucoup plus stable qu'avant sur les deux fréquences en permanence. Et en plus, j'ai un répéteur Wi-Fi à l'étage qui fonctionne du coup hyper bien parce qu'il perdait toujours la porteuse Wi-Fi de la box et là, il la perd plus jamais. Et en fait, depuis une semaine, on a un Wi-Fi qui a jamais aussi bien marché. Donc, je suis super content de cet investissement, de pouvoir avoir donc la box avec toutes les fonctionnalités de la box qui sont fournies par Free, et puis d'avoir aussi cette possibilité d'avoir ce routeur Wi-Fi qui apporte beaucoup. Alors, en plus, il apporte la qualité de service. Donc, si je veux, alors je me suis pas encore mis dedans parce que c'est pas ce que je cherchais au départ, mais on peut faire du QoS. Donc, pour dire voilà, bah tel type de périphérique, il aura plus de réseau. Tout. Mais ici, j'ai pas ce besoin parce qu'en fait, on consomme pas tous. Il y a pas quelqu'un qui surconsomme. Donc, en fait, il y a pas ça. Il peut faire pare-feu, enfin tout un tas de trucs. J'ai rien activé puisque en fait, j'ai les services par la box. Hein, donc, c'est pas la peine de rajouter des couches de pare-feu, de machin. Le seul point négatif finalement, c'est que du coup, en fait, comme la box, je lui mets un peu une carotte en mettant un autre routeur, donc en fait, je mets un bridge, etc. Je peux
je vois pas en fait vraiment les périphériques qui sont en Wi-Fi sur le routeur depuis le routeur de la box. C'est-à-dire que quand on se connecte sur la box, hein, donc avec ma Freebox, etc. Et elle, en fait, elle voit le routeur comme un matériel. Bon, ouais, ok. Mais elle voit pas que derrière il y en a d'autres en fait, parce qu'elle n'a pas compris qu'en fait il y avait un bridge. Et donc du coup, si je veux administrer les matériels qui sont sur le routeur D-Link, je dois me connecter sur le routeur D-Link. Donc ça m'oblige à aller dans le petit placard où il y a le matériel, brancher un PC dessus, appeler l'administrateur du routeur D-Link, parce que je ne peux pas le faire depuis la box, puisque la box ne voit pas que c'est ce matériel. Seul petit bémol, mais en fait, c'est bon, une fois qu'on sait, c'est très facile à administrer. Il n'y a pas de. Deuxième sujet, en fait, c'est Recalbox. Alors, ça faisait longtemps que j'avais vu en fait des choses là-dessus, sur le fait de pouvoir en fait avoir un petit boîtier qui fait émulateur de toutes les anciennes consoles 8 bits, 16 bits, et de pouvoir en fait avoir tout ça en tout en un. Donc c'est la Recalbox, c'est le nom de l'objet. Donc en fait, ben, j'ai dit allez go, j'y vais, je me lance. Donc parce que j'ai un Commodore 64, mais en fait le problème c'est que c'est pas aussi simple de faire marcher les ROM en fait qu'on télécharge, puisque c'était pas prévu pour, etc. Donc du coup j'ai regardé pour acheter une Recalbox. Alors c'est top en fait, parce qu'en fait ça s'achète pas tout fait, il faut acheter tout le matériel pièce par pièce, et puis ensuite télécharger le logiciel Recalbox, et là vous avez la Recalbox. Donc j'ai acheté un Rhapsody là, pour Raspberry, pardon, pour avoir donc le matériel. Donc en fait j'ai acheté la carte, donc un 4, c'est le référent, c'est le V4, le boîtier. J'ai acheté des petits refroidisseurs pour les puces, j'ai acheté un ventilateur, le câble d'alimentation, j'ai téléchargé le logiciel sur la carte SD, j'ai mis tout ça en route. C'est super simple, et c'est là que je me rends compte que j'ai plus de manette, parce que je m'en sers jamais, donc j'avais plus de manette. Donc du coup, premier soir un peu au clavier, un peu merdique. Donc du coup, le lendemain, hop, manette. Maintenant, donc j'ai une manette, et donc sur le Raps, enfin sur le, pardon, le Recall Box, j'ai maintenant téléchargé toutes les ROM. Donc je sais pas combien, il y a dizaines de consoles d'émulées en fait. Hein. Moi, pour le moment, j'ai fait les consoles que j'avais. Alors Neo Geo, j'ai fait parce que j'avais toujours rêvé d'avoir une Neo Geo quand j'étais gamin, donc du coup, parce que c'était hyper cher à l'époque. Donc du coup, j'ai émulé la Neo Geo, j'ai téléchargé toutes les ROM qui existent. Intellivision, parce que j'avais une Mattel Intellivision, Coleco, parce que j'avais une Mattel Coleco, Commodore 64 bien sûr, mais là j'ai déjà toutes les ROM. Et donc j'ai essayé, ça fonctionne quasiment tout le temps bien, il y a quelques jeux qui fonctionnent pas. C'est hyper simple, c'est surtout ça qui est bien, c'est qu'en fait c'est hyper simple à faire fonctionner. Il y a juste un bouton marche arrêt, il n'y a pas besoin, comme sur PC en fait, de lancer l'émulateur, etc. Et surtout le matériel est autonome. Il est tout petit en fait, ce qui veut dire qu'en fait, si je veux l'emmener ailleurs, le déplacer, le brancher ou jouer, etc., c'est beaucoup mieux, parce qu'il faut savoir que la Recalbox, elle marche sur PC. J'aurais très bien pu la mettre sur mon PC, mais ça m'aurait obligé du coup à mobiliser mon PC pour faire ça, installer plein de ROM, plein de trucs, télécharger des trucs. J'aime pas installer des machins sur le PC en fait, parce que souvent après ils en foutent de partout au niveau des répertoires. Là au moins c'est circonscrit sur la Recalbox, je risque pas d'avoir de débordement, et ça me permet aussi de pouvoir l'utiliser partout sur, donc du coup je ne l'ai pas mis au même endroit que mon PC, sur un autre écran déporté, et ça nécessite très peu de choses en fait, hein, un port HDMI, une alimentation, c'est Wi-Fi ou c'est Ethernet. Moi je l'ai mis en Ethernet, puisque maintenant que j'ai la fibre, j'ai le réseau dans toute la maison en filaire, et du coup c'est très bien. Donc je suis très content de la Recalbox, c'est vraiment un investissement intéressant. Si vous êtes rétro gamer, que vous voulez jouer à des vieux jeux, vous voulez que ce soit simple, et vous voulez surtout en fait pouvoir avoir toutes les consoles sous la main et pas vous dire ah zut tiens, ce jeu j'aurais bien voulu jouer sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme, c'est hyper 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 simple. Moi je conseille la Recalbox. En plus il y a le plaisir finalement de monter la config. Moi j'adore ça, hein, même si je suis pas un spécialiste, je trouve que c'est toujours toute une histoire en fait, de dire est-ce que j'ai bien branché, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que. Et donc du coup il y a ce plaisir d'avoir contribué à la construction, et moi je trouve que c'est le plus agréable aujourd'hui encore, quand on veut faire de l'informatique en logiciel, c'est quand même d'avoir une petite partie matérielle, avec le risque que ça fonctionne pas, les questions qu'on se pose, et puis d'apprendre, hein, ce que ça peut utiliser. Donc, si vous avez besoin de jouer sur des vieilles consoles, Recalbox, il y en a d'autres hein, qui existent, hein, mais moi j'ai pas tout testé. La Recalbox, en tout cas, je valide. C'est vraiment sûr. Faites-moi voir en commentaire si vous avez joué à d'autres consoles rétro, c'est laquelle vous préférez.
En tout cas pour moi, par rapport aux émulateurs que j'avais sur mon PC, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Il y a beaucoup moins de questions à se poser, de paramétrages à faire, etc. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon week-end et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.